Ce résumé vous est proposé par Nissan. Et Gazprom. Sponsor de l'UEFA Champions League. Nonchalance là dans le chef du français, et c'est un autre numéro 7 qui est en possession du ballon, El Khadouri pour écarter sur la gauche. Il y a du mouvement, la frappe maintenant et l'arrêt important d'ailleurs de Safonov. Voilà enfin un peu de danger dans cette rencontre, il aura fallu attendre le quart d'heure. Très beau plongeon de Safonov. Attention à ce ballon, oh là, pas mal du tout. Ça commence à se préciser hein, pour le PAOK, c'est pas la première fois. El Khadouri. Vilinha de loin, eh ouais, c'était pas mal. C'était pas mal, ça s'emballe un peu dans ce match. Pelkas. C'est dégagé par Caio Pantaleo, le Brésilien. Et là, qui est là pour reprendre? Oh, quelle occasion, quelle loupée surtout, la part de José Crespo, qui ne s'attendait pas à être tout seul comme ça en deuxième zone. Centre maintenant venu de la gauche. Oh là, c'était intéressant. Il s'en est fallu de peu, mais au final, un peu trop court le capitaine là du PAOK. Allez, écoute-moi la beauté. Oh là, je pensais que ça rentrait. J'ai pas été le seul d'ailleurs, ça je peux vous le dire. Au PAOK, tout le monde a vu ce ballon filer au fond. Oh ce but, eh bien dites-moi, personne ne s'attendait à ça. Et certainement pas la défense du PAOK. Hein. Quelle situation improbable, vraiment. Ça c'est probablement le but de la qualification. Parce qu'à la base, il n'y avait pas véritablement de danger. Et puis, il y a cette accélération. Et dans un cas comme celui-là, on ne sait jamais trop quoi faire avec le ballon. Par contre, là, c'est... Une aile de pigeon dans son propre but. Vraiment pas de bol hein, pour Mikhail Edith. 0 pour Krasnodar. Énormément de monde dans le rectangle. Et la déviation, le but. Le but pour le PAOK. Ah bien c'est parti pour une fin de match complètement dingue. On en voulait du spectacle, on en reçoit. Je me demande si c'est pas Omar El Khadouri qui pousse ça au fond. Oui. C'est lui, c'est le Bruxellois. Omar El Khadouri pour l'égalisation. Un but partout. Et si on vivait des prolongations ce soir? On est déjà de l'autre côté avec Berg, c'est dégagé un peu n'importe comment, voire complètement. Avec une récupération de Vilinha qui touche le poteau, ça va être goal, oui. Voilà, pas de prolongation, c'est ce qu'il faut retenir évidemment. Avec le but de Cabella qui, comme à l'aller, permet à son équipe de passer devant. Eh bien le PAOK n'aura pas eu l'occasion d'y croire longtemps, c'est un ouf
de soulagement, là je peux vous le dire, pour l'ensemble du staff de Krasnodar. Son équipe se qualifie, pas de prolongation, qualification directe. Et ça évidemment c'est tout bénef pour les suiveurs. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League.